Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, donc voilà pour la suite de... On va y arriver, hop. Donc je disais, donc voilà pour la suite de Mario Bros 3 Monde 5. Ouais, un petit ralentissement dans ma tête, là je sais pas, je fais un vieux bug. Hop. Alors donc ici je crois que c'est mon... celui que je déteste le plus, et où je meurs bêtement. Voilà, donc ce sera une toute petite vidéo. Bon. Mais je pense que pour les prochains mondes, malheureusement, ça va faire pareil parce qu'ils sont un petit peu plus longs. Et les levels, pareil quoi, ils demandent un petit peu plus d'attention. Du coup, je peux pas rush comme je le fais ici. Ah, donc ici, je parle pas beaucoup parce qu'honnêtement. Voilà pourquoi je parle pas. Hop. On va essayer de pas mourir ici. Voilà. Donc sinon aujourd'hui, donc il y a le reste des vidéos qui va arriver. J'ai le temps aujourd'hui, on va dire. Donc ça va être fait aujourd'hui. Comme ça j'en aurai terminé donc avec ce let's play là. Même si personnellement j'adore. J'adore faire ce jeu quoi. Honnêtement, j'ai vraiment une préférence pour celui-là, même par rapport à Mario World quoi. Putain. Mario World, je l'aime bien, mais je sais pas, celui-là. Enfin, c'est le côté NES, je crois, qui me. Bah, alors ici. J'arrivais plus à sauter. Ouais, donc ici pour ceux qui font ça, je vous enfin un conseil, je vous conseille de passer au-dessus pour éviter de vous prendre la tête. Vous allez juste à chaque fois faire un rebond par rapport. Bon bah voilà. Voilà, j'y suis arrivé. Ça vous évite de vous prendre trop la tête, même si bon, passer au milieu, honnêtement, c'est juste une question de timing, mais c'est pas supra dur quoi. Donc le boss de ce monde ici, vous allez voir quand il saute. Il y a pas une feuille ici? Non, tant pis. Quand il saute, donc il assomme. Ah, il assomme. Hop. Voilà. Mais bon, il suffit juste, donc comme vous voyez, de sauter juste avant qu'il atterrisse, y a pas de problème quoi. Et par contre, lui, il nous arnaque un peu. Normalement, ils font deux sauts et ils sortent de leur carapace. Là, il en fait un et en plein vol, il ressort. Donc faites gaffe de pas vous faire avoir. Bah voilà, donc petite vidéo déjà terminée. Donc on a libéré Papyro, qui nous balance la même phrase que tout le monde. Et ici, je sais plus ce qu'on obtient. Un nuage peut-être? Un nuage. Donc sois prudent dans le monde de la glace, les créatures piégées dans la glace peuvent revenir à la vie s'y réchauffer. Ouais, donc en gros ils vous préviennent que si vous êtes avec le pouvoir d'Alpheur de Feu, vous pouvez donc faire fondre la glace sous vos pieds, vous allez voir, enfin je vous montrerai. Donc voilà, donc fin de cette petite vidéo, je vous reprends juste après donc pour la sixième, enfin septième partie, mais pour le monde 6 donc de Mario Bros 3, donc monde de la glace. Allez, bye.